Bonjour, tu regardes ASMR Frères. C'est Noël, c'est Noël, les Vlogmas d'ASMR Frères. Aujourd'hui, nouveau Vlogmas. On va commencer par ouvrir les calendriers, après on va faire les courses. J'ai pas upload ma vidéo du jour, hier. Du coup, faudrait que je le fasse aujourd'hui. Je pense qu'on va le refaire dans la voiture. C'est ce que j'allais dire. Ouais. En plus, normalement, ce sera plus rapide vu que la vidéo est plus courte. Ce matin, Naomi, elle a reçu des assis. Alors... C'est alors, elle est à l'envers. The first one. Naomi, elle aime bien tout ce qui est chouchou, quoi. J'adore les femmes. Après, une affiche de une autre dame. Waouh. Par contre, j'aime pas ce papier, c'est chiant. Une autre affiche d'une autre madame. Aux toilettes. Swag. Et une affiche d'un animé de Devilman Crybaby. Voilà, très intéressant. Qui connaît? Allez. Tu connais pas? Non. Oh, tu rates, il est trop bien. Mais non, mais je regarde pas d'animé. Le seul que j'ai regardé, c'est One Punch Man. Et il est bien. Moi, j'adore. Putain, ma couette est de travers. On calcule pas. Le premier. Celui de Taz. Alors, nous sommes le 5, donc. Taz, sois patient, s'il te plaît. Petite case. On a des petites friandises, comme on a déjà eu. Mais j'ai l'impression que c'est encore des beef bites. Tiens. Allez, moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est les cacher, s'il vous plaît. 2 hours later. Il a pas compris que c'était en dessous, quoi. Oui, c'est ça. On est le 5? Ouais. Super. Un Kinder Maxi qui est encore coincé. Vraiment, la prochaine fois, si Kinder regarde cette vidéo... Il regarde encore pas. Si, n'importe quoi. Ils vont dire, ah bah super, Naomi c'est une connasse. T'as même pas notre calendrier. Là-bas. Mon calendrier. Un chocolat. Une bougie. Et maintenant, calendrier de l'avant. Door sale. J'espère que c'est une grande case. C'est une grande case. Oh. Des pétales de rose, mais plus. Cette fois, il y en a 60. Alors, oui, parce que on fait un petit récapitulatif d'essuyer. C'est vrai que ça sert à rien. À la rigueur, ça sert à rien. Il y en a qui aiment bien, tu vois, ça fait une ambiance un peu romantique, mais c'était la qualité, pardon. Qualité Je crois qu'on l'a déjà dit hier, mais genre, moi je paye un calendrier de l'avent 250 €. Il y a une flemme. Et j'ai le seum. Alors, par contre, c'est tous les jeux. Je me suis dit que ça allait être un jouet, mais je pense. Alors, masque pour les yeux de la lingerie. Ah, t'as eu raison. Damn. Je sais, y en a, ils l'utilisent pour goupiller, frère. Nous avons, on dirait des lunettes. Wow, ça ride quoi. Un aviateur. C'est très moche. Voilà, tiens, regarde. Mais en soi, c'est bien, c'est tout doux. Mais moi, j'aime pas trop la forme. Parce que, genre, vraiment, ça t'a vraiment l'air con, quoi. En plus, tu peux voir. Genre là, je vois. Alors que moi. Là, tu vois où? Ben là. Là, je te vois, par exemple. Je valide à moitié. Parce que. Je valide parce que l'intention du truc, genre. Et la qualité. C'est vrai qu'il est quali un peu. Mais c'est juste, genre, pourquoi cette forme? Je vais vous présenter ma technique pour importer des vidéos quand on n'a pas la fibre. On prend son ordinateur in the car et un téléphone avec une bonne connexion. Après on se met en partage de connexion et là ça s'importe. Ça va plus vite qu'avec la DSL et ça c'est pratique. Et comme vous pouvez le voir, c'est un franc succès puisque la vidéo a été mise en ligne. Là maintenant on est au traitement de la vidéo. Il reste 9 minutes. Bon, je pense que ça va aller un peu plus vite. Et ça c'est très swag. Genre vraiment la route pour venir à Leclerc c'est genre 10 minutes. Même pas, oui. Même pas. Et bah la vidéo s'est mise en ligne. Genre vraiment c'est comme si t'avais une fibre. Après je sais pas si c'est parce que j'ai un très très bon forfait ou si c'est comme ça pour toutes les 4G, mais c'est swag. Sachez que Naomi me force à manger des légumes. On a acheté un poireau. Fouin, fouin. Des courgettes et tout. Bon, pour ça, les courgettes, j'aime bien. On a acheté de la salade. C'est pour moi, c'est les vaches qui mangent ça. Hein? Ah non. On va chercher le beurre ensemble. Moi, généralement, le beurre que j'achète parce que c'est le moins cher, c'est le bon fleuri. On va en prendre deux, comme ça, on en est sûr. Alors, pronostic. Faites vos pronostics de combien va coûter ce caddie. Ah, c'est très cher. Un peu moins de 200 balles, moi. Un peu moins de 200 balles, je dirais 180. 175. 175. Oh, oh la concurrence. Ouais. Oh, la concu. Ouais, non, je pense que t'as plus raison que moi. Je pense même qu'en vrai, on abuse et que c'est genre dans les 150. Moi, c'est bon, je change. Je dis 152. Ah, ok, 147. Oh, la connasse. Et j'ai gagné. 76,67 par personne. Donc, ça voilà. Fait 153. Youpi, j'ai gagné. Le coffre est full. Waouh. Alors, on part sur un petit retour de compte, du coup, on a payé 153 €, franchement on s'attendait grave à pire, donc on est satisfait. Alors je vais commencer par le congelé, on
a acheté 5 pizzas, kebab et tartiflette. Kebab. Et moi j'ai pris cette pizza. En vrai je vous montre tout le temps les mêmes petits pizzas, mozza. Ouais, il n'y a pas beaucoup de différence à part la mozza pour des gens qui mangent pas de pizza. Ouais c'est ça, ou alors légumes et flemme. 4 fromages et enfin j'ai pris 2-4 fromages du coup pour moi. De la glace, on a pris vanille et fraises, 3 trucs de mozza. Du fromage pour faire du cheesecake et de la feta pour faire une salade. Nao elle a pris du bacon fumé. On a pris de la brioche. Pourquoi t'as pris la brioche? Bah en vrai moi je mange ça souvent pour le goûter quand j'ai faim. Moi je mange ça avec du Nutella en fait. Ensuite on a pris du pain, un burger parce qu'on voulait faire des croque McDo. Ensuite j'ai pris des spéculoos. Enfin on a pris des spéculoos pour faire du cheesecake. De la viande hachée VG. Je dis aussi du truc à burger. Tu l'as déjà dit ça ou pas? Non. Du fromage pour les burgers. Des légumes. Des courgettes. On a pris des pâtes, donc torsade pour commencer. Ensuite des penne pour faire les pâtes carbo et des coquillettes. Ensuite on a pris un poireau. Alors je crois que j'ai jamais acheté de poireau de ma vie. Ensuite on a pris 2 paquets comme ça de crème semi-épaisse, film étirable et du papier cuisson. Ouais. De vache. Nao elle a pris un truc anti-calcaire. Parce que le truc calcaire ici. Beurre de cacahuètes. Sauce tomate. Pour le dalle, des citrons, sirop violette. À 3 balles. De la crème de coco avec rien à voir, je vois les trucs. Un masque pour les cheveux pour Naomi. Et on a pris du miel pour les chèvres chauds. On a pris des nouilles de riz pour faire des nouilles de légumes délicieuses de Naomi. On n'a pas trouvé de riz risotto, je pète tout ça. Vermicelle de riz aussi, c'est pour les rouleaux de printemps. Parce que ce soir on fait des rouleaux de printemps, on vous fera la recette. Et on a pris des petites brioches rondes aussi parce que Nao voulait faire une version améliorée des croque madame. Et des croque madame aussi. Et des croque madame. Ensuite on a pris des feuilles de riz. Ouais, exact. Pour faire des nems. Et les rouleaux de printemps. On a pris des champignons à 5 balles. Pour faire des petits gâteaux. On a pris du sucre et de la farine. Pour le ménage, Nao elle a aussi pris un truc au savon noir. Ah putain. On a acheté du liquide vaisselle. Ça vraiment. Si vous changez des fois les couches de vos frères et sœurs, n'achetez jamais ce liquide vaisselle de chez Lidl. Vraiment, ça sent les lingettes pour bébé. Ça, ça fait écho au caca pour moi. Du coup, ça me dégoûte. Du coup, on a acheté d'autres liquides vaisselle. Pommes, poires, fruits rouges. On a pris du riz basmati, 2 pâtes feuilletées parce qu'on voulait faire des cinnamon rolls, la julienne de légumes. C'est pas la même chose qu'on avait fait la dernière fois pour faire les nouilles aux légumes, mais il y avait tout ça. Et Naomi est au bout de cette. Parce qu'il n'y a plus rien dans les magasins. Ensuite, j'ai repris des galettes végétales. Du salami parce que j'aime bien et j'en mets. J'en mangeais maintenant. Des petites baby carrots. On a pris de la sauce soja. De l'huile de sésame qui coûte tarpin cher. 2 trucs de beurre. 2 bûches de chèvre pour faire du chèvre chaud. 2 paquets de gnocchi parce qu'on adore ça. Emmental râpé. Et le deuxième paquet de crème semi-épaisse. Des oignons. Salade. Des pommes de terre. Des œufs aussi par 12. Du PQ. Et 20 bières. Parce que c'était pas cher. Mais c'est qu'il y a une réduction en ce moment à Leclerc. Les buds, si vous en achetez par 12, 10, je sais plus, ça coûte 4 balles. C'est vraiment rien du tout. Et en plus, moi j'aime trop ces bières-là. Petite économie. Tout en étant des gros trous. Exactement. Je vous avais dit que j'avais pour projet d'apprendre à crocheter. J'ai une copine du coup qui sait le faire et qui m'avait conseillé une vidéo. Donc je vais regarder la vidéo pour apprendre à faire plusieurs lignes. Parce qu'en gros moi tout ce que je sais faire c'est une seule ligne de crochet. Mais je sais pas en faire plusieurs. Genre les assembler entre elles. Du coup bah je vais regarder la vidéo et j'espère que je vais réussir à comprendre. Parce que j'ai essayé déjà de regarder des vidéos mais je comprends rien. Du coup ouais, si je comprends pas celle-ci, bah je pense que j'attendrai tout simplement d'être avec Raph pour qu'elle m'explique directement. Par contre c'est en anglais, déjà qu'en français j'ai du mal à comprendre, j'ai peur de pas comprendre en anglais. Je sais pas si c'est bien. Je comprends pas, je suis bloquée à la fin. C'est pas si nul ce que j'ai fait là je crois. Mais j'arrive pas à aller plus loin, ça m'a saoulée. J'abandonne. Je viens de faire une... Enfin, j'allais dire je viens de faire une sieste, mais c'est faux, j'ai même pas dormi. Mais en fait, c'est que depuis tout à l'heure, j'ai trop la flemme de cette journée. Du coup, bah, je suis posée dans un canapé, je fais rien. Mais là, il est 18h, je vais commencer le montage de ma vidéo. Par contre, je me rends compte que, clairement, depuis tout à l'heure, mon micro n'est pas branché. Je sais pas depuis quand, mais voilà. Une recette ce soir, je parle fort parce qu'il y a la musique, donc on essaye un peu de faire la compétition de décibels. Il est 19h44, j'ai très faim, Naomi n'a pas faim, nous allons ce soir faire donc des rouleaux de printemps avec des nouilles.
Sinon, j'ai fini le montage de ma vidéo. Elle est à 14% là actuellement. Elle est en train de s'apporter. J'ai fini la miniature, j'ai fini la barre d'information et tout. Tout d'abord, on va commencer par faire bouillir de l'eau. J'imagine que c'est pour faire le vermicelle de riz pour l'intérieur des rouleaux de printemps. Ensuite, Naomi a sorti également des petites feuilles de riz avec de la salade et le baby carrots. Tu vas mettre là-dedans, oui. On coupe le baby carrots en tronçons. Tronçons? J'en sais rien. Les carottes ont été coupées. Et on met le vermicelle de riz dans l'eau qui bout. Naomi tenait à préciser que normalement c'est pas celle-ci qu'il faut prendre, mais que là il y avait plus rien à l'éclair, du coup elle a pris ça. Enfin c'est pas celle-ci qu'elle prend d'habitude, parce que celle-ci c'est pour faire des beaux bouts. Ensuite, elle sort les nouilles et elle les mince jusqu'à ce qu'elles soient froides. Ensuite, elle a mis de l'huile de noisette grillée dans les nouilles. Trinquons ensemble. Feuilles de riz dans l'eau. Faut que ça soit mou, genre. Oui. On met un peu de salade, des carottes avec des nouilles. Naomi a quelque chose à vous raconter. Ouais, je suis... Non, je filme pas moi parce que le micro est de l'autre côté, parce que Naomi veut pas montrer sa tête aujourd'hui. Donc voilà, j'ai mis le micro de l'autre côté, maintenant vous me voyez et c'est Naomi qui parle. Alors, en fait, vous savez, Maëva, elle a dit qu'il y avait des trucs un peu bizarres à la part qui se passaient. Et en fait, tout à l'heure, je vais faire ma sieste de la journée, ou la 15e peut-être. J'ai un petit peu fatiguée, je vais me coucher. Gros bisous, à tout à l'heure. Et en fait, ce matin, j'avais fait tomber mon oreiller du côté fenêtre de mon lit. C'est un endroit où je ne vais jamais. Et j'avais fait tomber mon oreiller là-bas. Et tout à l'heure, en retournant me coucher pour ma sieste, et ben mon oreiller était remis sur mon lit. Alors que je n'ai pas été le chercher, parce que je sais que j'ai pas été chercher, j'avais la flemme. Voilà. Voilà. Parce que on est rassurés, donc. Mais non, en vrai, tout à l'heure, je me suis dit, en vrai, si jamais il y avait quelque chose de malveillant potentiellement ici, on l'aurait ressenti autrement. Voilà le résultat des rouleaux de printemps de Naomi. Ils sont jolis. Ils sont trop beaux. Bon, il est presque minuit et on part sur une activité décoration. On va accrocher les affiches que Naomi a reçues ce matin. Voilà! Alors on a mis celle-ci ici. De base on a hésité entre celle-ci et la meuf aux chiottes. Mais on s'est dit que celle-ci ça passerait mieux vu qu'elle est plus colorée et tout. Genre que ça habille vraiment le mur. Par contre c'est vraiment abusé qu'ils aient mis le thermostat là quoi. On fait comme s'il n'existait pas. Il fait que 16 degrés 5 chez nous. Il fait que 16 degrés. Mais tu sais que j'ai pas l'impression qu'il fasse si froid. On s'y habitue en même temps. Ensuite on a mis la meuf aux chiottes du coup ici dans le couloir à côté de toute la carte que j'occupe. Et des chiottes ici même. Voilà. De base on aurait voulu la mettre là-bas, mais le mur on peut pas mettre de punaise. Mais en vrai elle est bien ici. Ouais je trouve aussi. Il y a deux affiches qu'on a mises ici. Enfin que Nao a mises ici, parce que moi j'en ai fait en soi. En vrai c'est cool, du coup elle va recevoir d'autres affiches de la même taille pour en mettre tout autour de la télé, j'aurais pu. Voilà, comme ça fera comme un petit cadre. Bon les gars, le vlogmas il s'arrête ici. J'espère qu'il vous aura plu. Je sais pas quelle durée il aura fait, mais bon je vais arrêter de parler de la durée de mes vlogs, parce qu'au bout d'un moment ça commence à devenir chiant. En fait tu dis tout le temps la même chose en fin de vlog. Là je m'en vais, je reviens demain matin. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve demain. Merci à ceux qui suivent le vlogmas, gros bisous.